Marche. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je m'excuse, la vidéo elle a pas marché tout à l'heure. J'ai de nouveau eu un bug, mais là ça a l'air de fonctionner. Je viens de vérifier sur mon téléphone. Donc voici, on est au 38e épisode des Confilorgues. Avec un peu de retard, c'est pas grave. Et on va redémarrer donc avec, je vous l'avais dit, une spéciale do dièse mineur. Do dièse mineur, je vous ai mis des photos des gens qui en faisaient partie sur mon Facebook dans la matinée. Donc vous pouvez voir à quoi ils ressemblent. J'ai mis des photos là, mais elles sont vraiment très loin de la caméra. Vous aurez du mal à les regarder. Alors, parmi nos chansons qu'on chantait à do dièse mineur et que j'ai reprises avec l'orgue de Barbarie, il y avait cette magnifique chanson de Michel Fugain en 1967, Je n'aurai pas le temps. Et c'était par cette chanson que nous commencions la plupart du temps nos répétitions. Eh bien, puisque c'est le début de notre confinement, on va commencer par cette chanson, Je n'aurai pas le temps. J'espère que ça marche, il n'y a plus personne qui vérifie derrière la caméra. Bonjour les filles. Et voilà, voilà le noyau dur de do dièse mineur, quelques 20 ans après. Le noyau dur, composé de 4 personnes, Céline, Nadine, Caroline dite Germaine et Michelle, Doris dite Michelle. Voilà, et voilà, donc c'était, voilà, bah, il suffit que je sorte ça pour qu'elles arrivent, c'est bien. C'est pas bluff notre histoire. Alors, ouais, c'est vrai, hein, ça rappelle des souvenirs. Hein. Bon, et ben voilà, et ben on va continuer avec la deuxième chanson, issue. Hein. On va prendre la maman des poissons de Monsieur Bobby Lapointe. Tiens, si on prenait la maman des poissons. Ça, c'est une bonne idée, qu'elle serait bien. Ça serait une bonne idée, la maman des poissons. Hein. Rue des truites, en plus. Rue des truites, ouais. Ah, bah, c'est bourré de poissons ici. Bon, et alors vous n'allez pas vous tromper. Hein. Chez lui, tu ne te trompes pas comme d'habitude. Il hein, n'y a pas de vent, le rythme sera bon. Hein. Tu la faisais aussi à l'époque. Ouais. Oui, tout le monde faisait la même faute. On oubliait le rendez-vous. Non, mais cette remarque-là, tu nous la faisais aussi à chaque fois. Oui. Déjà, mais je n'ai pas changé. Et c'était toujours Céline. Mais bien sûr. Bah oui, c'était toujours la même bêtise. C'est la chouchou. Ah ben. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont en eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils oublient à faire
fait pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis. Elle reste muette, la maman des poissons. Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui, leur montre comment s'en s'ennuie. On les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des règles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, j'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, oh qu'est-ce que tu me fais marrer. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont en eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille. Et voilà, tu t'es pas trompé, hein. Moi aussi. Non, c'est moi. Là. Non, c'est moi. Ah. Bah, on s'est toutes trompées. Voilà. Alors, avant de faire la troisième chanson de notre spécial de dièse, les rappels d'usage, merci à ceux qui ont partagé la vidéo d'hier, merci à ceux qui vont partager celle d'aujourd'hui, à ceux qui s'inscrivent sur ma page YouTube pour retrouver les différents épisodes, et à ceux qui me commandent des disques pour Noël. Voilà, et la troisième chanson, alors celle-là on l'a chantée, rechantée, c'est Armstrong. Oh mon Dieu, Doris, c'est pas cette tête. Quelle horreur cette chanson. Oh, non, non, j'adore. Ouais. Allez, courage, on y est presque. Attends, je ne sais plus comment c'est comme ça. Ils sont en forme, on se calme. Et c'est marrant, c'est quand même, c'est la skit qui fout le bordel. On est mercredi, je suis en vacances. Come,
vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Quand l'écrit en blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans trêve ni repos. Il se trompait. Ah, oui. Je me souviens maintenant. J'ai presque fait le spectateur. C'est bien. Alors, pour terminer, on va laisser passer l'avion. C'est l'avion de juste maintenant. C'est Romain qui arrive. Avec Samantha, le vrai direct. Alors, pour terminer notre spécial Confinorg, d'abord, je dois vous donner le programme de demain. Si je le trouve, il est là. Le programme de demain. Donc demain nous serons le 39e et avant-dernier épisode de cette saison avec des chansons que j'ai modifié le programme. C'est très français ce que je dis parce qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre tout ce que vous m'avez réclamé dans le 40e et dernier épisode de vendredi. Donc demain nous chanterons pour commencer un Jacques Brel Amsterdam. Ouais, le Jacques Brel Amsterdam. Ensuite nous prendrons un Gérard Lenormand si tu ne me laisses pas tomber. Puis la chanson de Maxime Le Forestier et Michel Rivard, Bille de Verre. Et nous conclurons par de nouveau un Gérard Lenormand, Michel. Voilà, ça c'est pour demain. Et après-demain, ce sera la dernière avec 14 chansons. Et la 14e constituera la 500e des Confinorgues. Nous aurons fait 500 chansons quand même, c'est pas mal. Hein. Alors, pas vous, non. Oui, mais il y en a qui ont suivi pratiquement tout. J'en connais qui ont suivi pratiquement tout. Alors, on va prendre le phoque en Alaska, n'est-ce pas? Oui, mais avant. Ah oui, avant. Avant, on passe un grand merci. Très fort, parce que je ne sais pas si... Maître Capello doit être derrière la caméra. Donc, oui. Pour Romain, merci beaucoup. Merci Romain, qui depuis, si j'ai bien compris, qui depuis son Canada... nous a influencé cette surprise, cette voilà, excellente voilà. Surprise. Merci à Claudine, qui, ouais. Sans elle, qui est au boulot, là, elle est en conférence sur vidéo. Et c'est pour puis, ça qu'elle est au bout du wifi. Merci à Samantha, Sophie, qui sont en call. Voilà, ouais, en principe, voilà, j'espère. Voilà. Et puis voilà. Et puis on va démarrer le phoque en Alaska pour terminer ce 38e épisode des Confinorgues. Vous êtes prêtes? Ah oui, hein, toujours. Formidable. Sur son
regarde son voile qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un Alors, ouais, ça marche. Alors, je vais essayer de vous faire profiter de mes invités surprises du jour. Alors, on avait Michelle, on avait Caroline Di Germaine, on avait Nadine et on avait Céline. Voilà, et c'est ainsi. Eh ben, Romain, il a applaudi. Et il y a Claude qui est là-bas, mon voisin. Voilà. Voilà. Eh ben, sur ce, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vais vous laisser. Ça marche. Il y a Romain qui a mis plein d'annotations. Et Stéphanie, oui, oui, on veut vous voir. Ben, ça y est, tu nous as vus. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve demain à 16h pour le 30... pétante, oui, pour le 39e Confinorg de cette troisième saison et l'avant-dernier de cette de toutes les saisons. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux que vous n'aimez pas. À ciao et à demain.